des émetteurs radio là-bas et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré bourreau de tout saboter. Démé, prends ce lance-fusée. Tire avec pour nous dire d'attaquer. Attends le bon moment pour tirer la fusée et nous dire d'attaquer. Nos vies sont entre tes mains. C'est la guerre. Une grosse machine dégueulasse. Sans répit. Sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que deux solutions. La mort ou la survie. Mal nachsehen. Und? Was? Da ist gar... Scheiße! Neben dem Haus! Une grosse machine dégueulasse, sans répit, sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que deux solutions, la mort ou la survie. Soldat allemand droit devant.
grosse machine dégueulasse. Sans répit, sans pitié. Une fois dedans, il n'y a que deux solutions. La mort ou la survie. Le canon n'est pas prêt de tirer maintenant. Débarrasser de ces canons.
Les Allemands avaient tout, mais on n'avait presque rien. On devait donc voler leur équipement pour l'utiliser contre eux. Il y avait forcément des explosifs dans les environs. De ces canons. La
On n'était pas des soldats d'élite super équipés comme les Allemands. Contrairement à eux, on n'avait pas d'armes de pointe et on s'était pas entraîné pendant des années. Mais on avait la volonté. La volonté de gagner, quel que soit le prix. Et la victoire nous a coûté cher. En sang, en sacrifice et en vie humaine. Idrissa! Oh mon Dieu! Idrissa! Réveille-moi! Idrissa! Regarde, Idrissa. Nous sommes des rois. Messieurs, nous sommes fiers de vous et de ce que vous avez accompli. Merci, mon commandant. Faisons une photo pour la postérité.
l'armée française a libéré Paris, ils ont retiré tous les soldats noirs. Ils les ont remplacés par des visages plus familiers. Mais moi, je sais ce qu'on a fait et à quel prix. Et j'en suis fier.